tous et bienvenue dans ce nouveau jeu pour Mega CD. Donc je n'ai pas la boîte, donc on va passer directement sur le jeu que j'ai copié. Alors c'est un jeu que j'ai trouvé par hasard, que j'ai copié, que j'ai testé, qui m'a assez plu. Alors c'est un shoot 'em up qui s'appelle Solfis, qui est vraiment qui m'a beaucoup plu et qui est très maniable et qui surtout a une bande son que je trouve vraiment très très bonne. Voilà, donc Solfis sur Mega CD. Je vais faire une petite démonstration devant vous et puis vous allez pouvoir vous faire une petite idée de ce jeu et voir si vous partagez un petit peu le même avis que moi sur ce jeu. Alors 1991, on est vraiment au début du Mega CD, en tout cas en ce qui concerne le Japon. Donc on va partir direct, on va pas se faire chier, voilà. Donc 1991, c'est le début du Mega CD et on est aussi au début de la NES. Et vraiment, graphiquement, ça en met quand même plein la gueule. Hein. De plus, les power-ups sont quand même assez nombreux, assez réguliers et vous permettent quand même de bien avancer dans le monde, dans le niveau. Et au niveau du son, c'est juste hallucinant. Ouah merde, putain, ils m'ont pris par le cul. Allez. Alors le jeu n'est pas facile, hein, comme tout. Ah putain, je crois que je pouvais le baiser. Je crois que je pouvais le péter, ça. Le jeu n'est vraiment pas facile, clairement, comme tous les shoot'em. Oh putain, mais là, peut-être que je me suis pas mis en facile, remarquez. Hein. Oulala, je ne suis pas mis en facile du tout même, je pense. Oulala. Ah oui, game over. Je vais peut-être me mettre en mode facile du coup, parce que sinon on va pas pouvoir avancer beaucoup. Il est extrêmement difficile ce jeu. Ah putain, en fait je suis déjà d'accord. Speed. Je vais me mettre plutôt. Alors je vais me mettre en mode un peu plus long dans ces cas-là. Voilà, donc c'est un jeu vraiment qui m'a beaucoup plu. Graphiquement, il est très très bon. Et puis alors, vraiment, la musique, waouh! Vraiment, pour l'époque, ça défonce. Hein. Les effets d'explosion sont plutôt bien faits, dignes quasiment d'une Neo Geo. N'est-ce pas, mon cher Runout? Les explosions sont vraiment très très bonnes. Alors, c'est pas non plus du très très détaillé dans les explosions, mais franchement, c'est tout à fait potable. Alors, il y a un auto-fire dans le sens où peu importe sur le bouton. Ah merde! Exactement au même endroit, d'ailleurs, je me suis fait baiser. Peu importe le bouton sur lequel vous allez appuyer, c'est en auto-fire. Et ça, je me rappelle plus si c'est un bonus ou pas. Oh putain. Même en mode lent, je vais pas y arriver. Hein. Oh putain, mais c'est impossible. Et j'arrive pas à choper le bonus en plus. Ah mais mon tir peut baiser les flammes. Ah ouais, mais ça j'avais pas vu ça. Par contre ça... D'accord, alors, par contre mon tir ne baisse pas ça. Wow là là, c'est chaud. C'est chaud du zboob. Bon, au moins que j'ai le tir aussi puissant que celui-là, sinon je vais pas m'en sortir. Et ça je peux pas l'exploser, par contre ça m'explose. Alors c'est un petit peu ça le défaut du jeu, c'est-à-dire qu'on a un petit peu de mal à savoir qu'est-ce que exactement quelle chose peut nous tuer et quelle chose ne peut pas nous tuer. On a un petit peu de mal, c'est pas didactique à ce niveau-là. Par contre là dans ce jeu vous avez droit à aucune erreur. La moindre crotte de nez dans votre gueule, vous crevez direct. Allez, on va essayer, je vais repartir. Je suis têtu. Continue, mais est-ce que je continue là où je m'étais arrêté? Je pense pas. Voilà, je recommence depuis le début. Donc en fait, ça continue, rien du tout. Hein. Ou alors peut-être que je suis pas encore arrivé au checkpoint. Je sais pas s'il y a des checkpoints dans ce jeu. Parce que j'ai juste un petit peu... j'ai juste un petit peu joué pour avoir un petit peu des sensations par rapport au graphisme, par rapport au gameplay, par rapport au son, etc. Que je trouvais plutôt bon et... je voulais... vous faire partager ce jeu.
Ah mais ça on peut les baiser que quand ils sont ouverts quoi. Là, quoi. Ça on peut pas le baiser. Putain, chaque fois j'ai... Ok, ça c'est bon. Allez, mais ouvre-toi, connard! Oh putain. C'est vrai que ça, les flammes, je peux les enfumer, c'est bon. Voilà, alors malgré le fait qu'on ne puisse pas vraiment voir qu'est-ce qui nous tue, qu'est-ce qui ne nous tue pas, ça reste franchement un très bon jeu. Je prends vraiment du plaisir à y jouer, même si c'est au niveau de la difficulté, c'est assez fou. Je pense que juste, enfin, quand je vais perdre, là, je vais me mettre en mode mania et à fond, juste pour rigoler. Je pense que je vais faire 2 secondes. Allez, on va essayer de passer au moins ça. Oh putain, mais que je suis con, sans déconner. Ah mais non, mais là, c'est zéro. Zéro pointé. Ah ben voilà. Bon, eh ben, allez, pour le fun, on va se mettre en mode mania et rapidité au max, juste pour rigoler. Je pense que je vais faire 10 secondes de jeu, je pense. Configuration mode, je vais me mettre en haut, en mania, feu. Je vais juste écouter les musiques un petit peu. Comment on fait pour écouter les musiques ? Voilà. Ouais, c'est vraiment du très très bon en musique. Hein. C'est extrêmement énergétique, ça correspond tout à fait à ce jeu. La bande son est vraiment très très bonne. Il n'y a rien à dire. Bon, ça se répète un petit peu. Mais globalement, ouais, c'est quand même du très bon. Allez, on est parti là, en mode de ouf. Et puis on va s'arrêter après les 5 vies que j'aurai utilisées. Bon là, je pense qu'à mon avis, là... Oh là là, oh putain. Bon là, il faut avoir des yeux de ouf. Là, faut être un Terminator. Hein. Bon là, au début, évidemment, c'est facile. Voilà. Je me suis fait arroser. Ah mais oh là là, mais quel con, sans déconner, quand je peux perdre. Hein. Oh, je voulais récupérer. Je veux récupérer ça. Laissez. Non mais c'est pas possible. Allez, je recommence. Je voulais récupérer mon power. De toute façon, si vous ne récupérez pas le power up, vous êtes obligé de mourir de toute façon. Donc vous êtes obligé de le récupérer, c'est obligé. Je sais pas qui c'est qui a fini ce jeu en mode rapide et mania, mais respect. Hein. Respect total. Oh là là. Alors encore une fois, c'est pas un problème de gameplay, hein, qu'on soit bien d'accord. Le gameplay est plutôt bon. Le vaisseau se manie vraiment comme vous le désirez, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Oh mais non, mais jamais de la vie là. Putain, c'est quoi cette hallucination? Mais je pense que c'est un jeu qui, si vous aimez le challenge, vous pouvez prendre celui-là, hein, y a pas de problème. Ça peut vous faire passer le temps. Enfin, je sais pas du tout combien il y a de niveaux. Oh putain, j'ai essayé de passer là, en bas. Je vais arriver quasiment au même point. En mode mania et rapide que en mode normal et lent. Ce qui n'a... Oh putain. Ce
Ce qui n'a absolument aucune logique. Oh putain. Bon, et eh bien écoutez, voilà, donc ce jeu qui s'appelle donc Solfice, je vous le recommande d'un point de vue voilà, gameplay, difficulté et aussi niveau sonore. Ça peut vous faire transpirer bien comme il faut. Voilà, donc jeu de 1991 sur Mega CD. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!